Et pour la réparation des douches, vous venez quand? Je vous le dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler. Je suis le fils du propriétaire du camping. Et comme mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous. J'ai des amis qui viennent cet après-midi. Et il faut que ce soit arrangé. Sans quoi, on trouvera un autre plombier. Bonjour chez vous. Tu vas pas recommencer? Il me semblait que j'avais été clair avec cette Marine. Mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors prends tes distances. Sinon, j'irai voir ailleurs. Arrête! Ne sois pas ridicule. Maxime et Marine sont des amis de longue date. C'est pas parce que tu t'es fâché avec eux l'an passé que je vais les ignorer. Moi, je peux pas les supporter. Ils sont toujours à critiquer. Franchement, qu'est-ce que tu lui trouves à cette pouffe? Et je suis correcte. Arrête, on est en vacances. Profite. Et puis, si tu ne veux pas les voir, le camping est assez grand. Je te préviens. C'est elle ou c'est moi? J'en ai marre de passer après les autres. J'ai l'impression que t'as la mémoire courte. T'as l'air d'avoir oublié la petite histoire de la boum l'année dernière. Elle n'arrêtait pas de te draguer. Et toi, à te laisser faire, j'ai pris sur moi l'année dernière. Mais je te préviens, si tu recommences, j'irai voir ailleurs. T'as bien compris? Ailleurs. Ce ne sont pas les beaux mecs qui manquent dans ce camping. Salut! Allez, te fâche pas. Tu restes ma meilleure... amie? Ah, Sylvia. Tu tombes bien. Je voulais te parler. T'es au courant pour la soirée des mini-stars? Mais de quoi tu me parles? Mais enfin, la soirée mini-star. C'est un concours de chant. Gaëtan t'en a pas parlé? Tu vois, tu peux pas lui faire confiance. Il maîtrise pas son sujet. Il devrait pourtant être au courant. C'est quand même le fils du gérant du camping, non? Oui, mais la différence avec toi, c'est que lui, il n'est pas en vacances. Il a d'autres préoccupations que la maison. Attends, te fâche pas. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est dommage que tu t'inscrives pas. T'as quand même une belle voix. Et qui sait? Sûrement un talent caché. Te fatigue pas, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Et toi, si tu aimes le chant, pourquoi tu n'essayes pas? J'aimerais bien, mais... je chante pas très bien, tu vois. Un peu comme une casserole, quoi. Enfin... Et puis, j'ai pas envie de me ridiculiser, quoi. Je suis quand même un peu timide. Toi, timide? Ah bon? J'ai pas remarqué. Eh oui, je suis timide. Mais je me soigne, hein. Tiens, par exemple... T'as pensé à quelqu'un pour t'accompagner Tu sais très bien que je vais avec Victor, alors pourquoi tu me le demandes? Attends, je t'ai bien vu te disputer, pas plus tard que tout à l'heure avec lui. Hein. Il est jamais disponible ce garçon, toujours à s'occuper des affaires du camping. Non, franchement, tu devrais réfléchir à une autre option. Bon, j'ai l'impression que t'as pas tout à fait compris, j'étais pas disponible et que je dois aller visiter les grottes du mat des asiles avec mes parents. Tu vas pas visiter cette grotte là? Grotte... Non, franchement, à part la grotte elle-même, quelques squelettes ridicules, là, y a rien à visiter. On va plutôt à la forêt des dinosaures. Dis-moi, je voudrais pas être impoli, mais tu peux me lâcher là. Et puis, la forêt des dinosaures, merci, je connais déjà. Bon, je te laisse. Attends, laisse-moi te raconter une petite blague. Après, je te fous la paix. Vas-y, ça peut te faire plaisir. Pince-mi et pince-moi. Sont sur un bateau. Pince-moi. Ah non. Pince-mi, tombe à l'eau. Qui reste-t-il sur le bateau? Bah, pince-moi. Ça te fait pas rire, pince-moi, non? Bon, maintenant que nous avons bien ri, je crois que je vais te laisser. Et tu rentres à quelle heure de ta grotte? Ah, très tard. Quel cauchemar ce type. Sans que je lui plaire. Je vais finir par conclure. Tu veux que je te dise? Mon prof d'histoire est totalement incompétent. N'avoir que 12 sur 20 quand j'ai largement le niveau d'en avoir 18, ça m'écœure grave. Attends, si tu as eu 12, c'est que tu vaux 12. Et puis, 12 sur 20, c'est pas si mal. Faut savoir t'en contenter. Oui, mais attends. Tu sais pourquoi cet imbécile de prof me donne que des notes basses? C'est parce que j'ose mettre sur mes contrôles des informations qu'il est même pas foutu de donner. Et si tu te contentais de lui donner ce qu'il demande, t'aurais sûrement de bien meilleures notes. Tu devrais réfléchir. Oui, mais j'ai pas à me contenter du minimum. Je te sens un peu tendu. Tu devrais essayer la piscine, c'est très cool. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais je plaisante. Va te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Gigi est arrivé? Non, mais ils sont pas tous encore arrivés. Moi, je veux te parler de Gigi. Les autres, je m'en fous. Bon, écoute, tu m'excuseras, mais là, j'ai pas mal de boulot. Je te rappelle que je remplace mon père pour la journée. Remarque, si tu veux m'aider à classer tout ça, aide-moi là. Non, pas là, mais plus tard sûrement. Dis-moi, il faut que tu saches, moi et Samy c'est fini.
Mais le seul garçon qui n'est jamais compté pour moi, c'est Gigi. Salut. Ouais, d'accord. Pauvre Kevin, toujours à raconter sa vie. Il a pas changé, hein. Toujours à se plaindre, il est jamais content. Ça c'est vrai, ça. Et tu sais que la Gigi, elle est avec un autre garçon. Mais de quelle Gigi tu me parles? Mais enfin Manon, Gigi, celle qui fait sa starlette, toujours à bouger du popotin. Ah d'accord, elle est revenue au camping. Mm-hmm. Et pas toute seule, elle a un nouveau copain. Jesse qu'il s'appelle. Pauvre Kevin, décidément, il a pas de chance. Mais bon, après tout, il a bien cherché. Comment ça? Mais enfin, tu ne te souviens pas? Pourquoi? Je devrais. Rappelle-toi, c'est TJ et Kevin a invité Charlotte devant Gigi. Ah oui, ça me revient. Elle lui avait même donné une gifle. Tu m'étonnes qu'elle se soit trouvée un nouveau copain. Nous au moins, on est tranquille. Pour moi, pas de fille. Pour toi, pas de mec. Pas de problème. Pas pour toi. Moi, j'aimerais bien avoir un petit copain. Hey, salut Kevina. Bonjour. Oh Kevina, tu me reconnais pas? Jean-Claude, Jean-Claude Lagarde. Désolé, j'ai pas le temps. Oh, regarde bien, Jean-Claude. Ah Jean-Claude, mais qu'est-ce que je fous là? Ben, comme toi, je suis en vacances, je viens d'arriver. Ah mais si tu viens d'arriver, t'as dû voir Gigi. Que... Mais enfin, Gigi, tu vois bien, elle t'a reconnu? Oui, ça oui, elle m'a reconnu. Bon, je peux te dire alors. On s'est fâché l'an passé sur un malentendu. J'ai déconné, mais là je sens que je vais assurer. On va se remettre ensemble. Ah ouais. Tu veux prendre quelque chose? Bien voilà, tiens, un coca. En vrai, pas une merde ou coca light avec cette saloperie d'aspartame. Ah ouais, tu préfères avec du vrai sucre? Aspartame, pas aspartana. Tu vois, je suis sûre qu'elle va revenir vers moi. Elle est plus mature maintenant. Et puis il y a des choses qu'elle va mieux comprendre. Tu sais, Gigi, tu ne la connais pas bien. Si, un peu quand même. C'est un joyau cette fille-là. J'ai pas su mettre l'écran, mais on dit toujours. Je t'aime trop tard. T'es d'accord avec moi? Ça, je suis d'accord. Tu l'aimes trop tard. Oui, enfin bon, j'espère pas. Et toi, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Moi, je suis passé en troisième. Donc, on les mots, tranquille. C'est bien, et t'as eu le temps d'avoir une copine? Oui. Enfin, sur le point. Enfin, j'espère. Comment ça, j'espère? Accroche-toi, mon Jean-Luc. Jean-Claude. Jean-Luc. Tu sais, le bus du bonheur, il ne passe qu'une seule fois. Alors ne le rate pas. Accroche-toi. Ne lâche jamais, mon Claude. Je comprends pas la réaction de Kevin. J'ai l'impression qu'il est jaloux qu'on soit ensemble. Qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est le choc de la bonne surprise, c'est tout. Enfin, je suppose. Et puis, si vraiment il est jaloux, c'est tant pis pour lui. Il n'a qu'à être beau perdant. Après tout, qui va à la chasse, perd sa place. Oui, mais il m'a fait une de ses peines. On aurait dit un pauvre petit animal blessé. Petit animal, tu parles. C'est un vieux saumon, il s'en remettra. Non, non, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne lui ressemble pas de refuser que tu payes. Je vais aller lui parler. Non, laisse-le. Mais laisse-le, je te dis, mais... Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas ces jours. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas dîner? Mais tu vois bien que j'ai pas fini. Ne me prends pas pour un imbécile. Hein. Qu'est-ce qui va pas, Kevin? Mais tout va bien. J'ai oublié ma valise chez moi, on me prête des freins ridicules. Mon père m'a supprimé mon argent de poche. J'ai perdu un appel pour mes notes. Je suis humilié en public. Mais à part ça, tout roule. Je te parle de notre situation à tous les deux. Eh ben notre situation, elle est merdeuse. Parce que tu déboules avec l'autre nain qui va te servir de petit copain, alors je suis désolé, mais moi j'encaisse. Ne me dis pas que nous viennent de jalousie là. Je t'ai rien dit que je suis avec Charlotte. Ça fait un an qu'on est plus ensemble, j'ai un nouveau petit copain, donc je vois pas où est le problème. Non, mais excuse-moi, j'ai pas terminé le travail de deuil. Sois gentil, viens dîner avec nous qu'on soit tous ensemble. Très chouette tes fringues. Merci Kevin.